Salut à tous, bienvenue en Vendée aujourd'hui pour une nouvelle étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire et je vous emmène bosser chez Europe Snacks en compagnie de Virginie. Salut Virginie. Bonjour Jerry. Tu vas bien? Très bien et toi? Ouais, je suis ravi de venir bosser avec toi. Tu fais quoi ici? Ici, je suis contrôleuse qualité. Et on va fabriquer quoi? Et on fabrique des crackers, des mini pizzas. Waouh, ça me donne faim moi. On y va? On y va, je te laisse t'équiper. Une blouse? Une blouse et c'est parti. Allez, au boulot, merci. C'est ton atelier? C'est mon atelier. Ici. Qu'est-ce qu'on fabrique aujourd'hui? Aujourd'hui, on fabrique des mini pizzas. Génial, j'adore ça. Allez, on y va? On va sur notre poste. Et alors toi, ton job ici, il consiste en quoi? Alors, moi, je suis aux ensacheuses. D'accord. Mon travail consiste à faire des contrôles. Donc en conditionnement uniquement? Oui, uniquement en conditionnement. Vous avez le droit de goûter la pizza? Moi, je dois les goûter. Ah bon? Oui. Ça fait partie du job? Ça fait partie du job. C'est génial, ça. Quand j'arrive sur mon poste, en fait, on fait des transmissions avec nos collègues pour savoir comment eux s'est passé leur journée. D'accord. Et puis après, je regarde à quelle heure sont mes contrôles, à quelle heure je dois faire mes détecteurs de métaux, par exemple. Okay. Et puis, la journée commence, changement de bobine, mise en sachet, on règle les machines. Et tu fais quoi comme contrôle? Je contrôle la casse dans les sachets. D'accord. Je contrôle le scellage, je contrôle le bon poids des sachets aussi. On peut en prendre un là? Oui, on peut en prendre un. Hop. Et je peux goûter? Vas-y, goûte. Merci. Je goûte avec toi. C'est pas l'heure de l'apéro, mais bon. C'est pas grave. Croustillant. Elles sont parfaites. C'est quoi ton préféré? Je dirais le mix salé. C'est le paradis salé. Du biscuit apéro ici. Voilà, exactement. Toi, ça fait combien de temps que tu fais ce job ici? Ça fait 10 ans que je travaille ici. 10 ans? Oui. Tout rond? 10 ans tout rond. Et tu faisais quoi avant? J'ai été agent d'entretien. J'ai fait des foyers jeunes travailleurs aussi. Et après, je cherchais un travail et j'ai postulé et me voilà ici. Génial. Et tu as fait quoi comme études? J'ai fait un BEP carrière sanitaire et sociale et un bac sciences médico-sociales. D'accord. Donc rien à voir. Rien à voir avec les biscuits. Et si on t'avait dit un jour que tu bosserais dans l'agroalimentaire? Je l'aurais jamais cru. Et alors, t'es restée? Et je suis restée. Pourquoi? Qu'est-ce qui te plaît ici dans ce job? La convivialité, la bonne ambiance. Et c'est quoi ton rythme de travail ici? Donc ici, je fais les 3-8. Une semaine d'après-midi, une semaine d'un matin, une semaine de nuit. Et alors si moi, j'y connais rien, je peux venir demain postuler? Bien sûr. Franchement, c'est à la portée de tout le monde. Hein. Tous les postes sont à la portée de tout le monde. D'accord. J'ai fait un peu tous les postes. J'ai été à la palette, j'étais aux étuyeuses, aux entacheuses. Et comment tu te vois demain? Chef d'équipe. Ah, carrément. Carrément. Donc là, tu fais quoi ici? Donc ici, je fais méthode 4. Ouais. Les notes. D'accord. Pour qu'il y ait une traçabilité. Du coup, on marque la date, okay. Le produit, l'heure à laquelle on l'a fait. Okay. Pour contrôler le scellage, on l'ouvre carrément. Et on vérifie que le sachet se dédouble. D'accord. Là, on est bien. Là, on est bien. Et c'est quoi les qualités qu'il me faut pour bosser ici? Si tu avais un message à faire passer? Je dirais qu'il faut être quand même dynamique, ouais. Motivé, okay. Et aimer le travail en équipe aussi. D'accord. Ici, on travaille tous ensemble, c'est important. Après-midi pour la grasse mat. Je suis obligée de dire crackers, mais on fabrique aussi des tuiles. Vendée, forcément, sur l'un de nos 3 sites. Mais il y en a un aussi en Maine-et-Loire. Le Puy du Fou à une demi-heure d'ici. J'ai jamais été à Disney. On est bien là sous le soleil vendéen, Virginie. On est très bien. Je peux craquer? Vas-y, tu peux. C'est l'heure de l'apéro. C'est ça, bon appétit. Merci, toi aussi. Et merci, c'était une vraie découverte pour moi. Avec plaisir. Délicieux. Et si vous aussi, vous avez envie de venir bosser ici, fabriquer des crackers, n'hésitez pas à postuler. Ils recrutent chez Europe Snacks. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à une prochaine étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Et n'oubliez pas, likez la vidéo et abonnez-vous.